Welcome to my channel, Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, cette chaîne qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants. Sachez qu'ici, nous parlons de metaverse, nous parlons de projets crypto, nous parlons de NFT ou d'NFT, voilà, nous parlons d'éducation financière, car nous sommes convaincus que c'est l'éducation et le savoir qui te feront grandir ou qui te feront même grandir, parce que là, à l'instant présent, là, tu es en train de t'éduquer en écoutant cette vidéo, voilà, donc, voilà, ça va de soi. Également, tu auras aussi la possibilité de bénéficier comme ça du décryptage et l'analyse technique des projets, que ce soit sur le plan fondamental ou technique, voilà. Donc, tu seras informé en temps réel, donc ce qui te reste à faire, c'est juste de t'abonner pour ne rien manquer comme publication. Voilà les gars, parce que tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne et qui partagent cette chaîne, en retour, bénéficient de notre expertise. Donc les gars, c'est vraiment important de vous abonner, voilà, et de partager et de liker. Parce que moi, je veux des likes, j'ai remarqué que vous êtes quand même chiche. La plupart des abonnés sont chiches en like. Hein. Les gars, encouragez-moi aussi. Donc, je dédicace mon temps comme ça pour partager des projets émergents. Je n'ai même pas de like, les gars. Likez. Parce que quand je vois des likes, ça me fait plaisir. Ça m'encourage encore. Ça m'encourage encore parce que je sais très bien, bref, ceux qui savent très bien que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Voilà. Un entrepreneur a besoin de passion, de courage, d'engagement, voilà, et de motivation. Retenez ceci. Un entrepreneur a besoin, un, d'engagement, 2, de motivation, 3, de la passion. Voilà les trois clés d'un entrepreneur. Donc, en retour aussi, encouragement, parce que vous voyez très bien ceux qui me suivent, le travail que j'abats, les informations que je partage ici avec vous, le coaching, les formations, tout ça, c'est pas du tout facile, mais j'essaie de donner de meilleur de moi-même, les gars, à votre tour, encouragez-moi aussi, les gars, s'il vous plaît, encouragez-moi, je fais des likes. Je fais des commentaires également, que ce soit les commentaires, oui, les commentaires constructifs, voilà, s'il faut s'améliorer, s'il faut améliorer la chaîne, voilà, les gars, donc laissez-moi en commentaire, si vous avez des sujets spécifiques qu'il faut aborder, laissez en commentaire, les gars, voilà, notre équipe fera le nécessaire pour vous répondre. Donc, voici un airdrop, j'espère que vous connaissez très bien PayPal, voilà, voilà, il faut PayPal. Donc, je ne sais pas si cette crypto-monnaie a été créée par le créateur de PayPal ou c'est juste à l'image de PayPal. Voilà, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Bon, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà, donc j'ai juste reçu le lien de l'airdrop par un autre leader. Voilà, un autre leader, parce que nous sommes un réseau de plusieurs leaders. L'autre, on en a des projets qui nous paraît. Bon, potentiellement susceptible de cartonner, parce que bon, on sait pas, on se positionne, hein, on se positionne, on n'est pas là pour, on ne réfléchit pas beaucoup, on se passe à l'action, on passe même à l'action avant de réfléchir. Donc voici alors le projet PayPal ici. Donc c'est une PayPal coin, voilà, une passerelle de paiement de crypto universel. Donc, parce que vous savez qu'il y a le PayPal normal, voilà, donc vous pouvez recharger votre compte et payer directement à et échanger votre argent avec une personne qui a PayPal. Bon, rejoignez la grande passerelle de paiement de la Binance Smart Chain. Voilà, voilà le lien Telegram. Voilà, on va aller dans Telegram, on va un peu étudier, on peut faire une analyse fondamentale rapidement. On va voir si c'est le PayPal lié à la crypto-monnaie ou c'est le PayPal. Bon, actuellement, il y a déjà 3700 personnes dans le réseau. Voilà, voilà, ça c'est. Ici c'est le là c'est l'adresse contrat, oui, l'adresse contrat plus, voilà, ça c'est l'adresse du contrat, voilà, voilà l'adresse du contrat ici, voilà, ça c'est l'adresse du contrat là. Ok, ça va, on est dans le, il y a environ plus de 3947 personnes, voilà, on va sortir là. On va rentrer là. Bon, ça va, je suis à connecter sur Telegram. Bon, les drops ici, il nous reste encore 51 jours pour profiter. Voilà. Et il faut réclamer ici 600, environ 600, c'est quand même beaucoup, hein? 600 millions de pièces. Voilà. Et lorsqu'on réclame comme ça, on obtient à chaque référencement, vous avez comme ça 40%. C'est intéressant parce que moi, j'aime ce genre de projet où vous recevez 40% de BNB. Voilà. Et 60% de PayPal. Donc, c'est vraiment. C'est très bien, voilà, j'aime bien ce type de fou, parce que lorsque vous êtes dans un projet comme ça, dans un endroit comme ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir votre compte de Binance Smart Chain grimper,
Donc, ça grimpe. Pourquoi? Parce que vous recevez à chaque fois qu'une personne utilise votre lien pour se parrainer, pour se positionner, vous recevez 40%. Voilà, et vous allez recevoir 60% de pièces. Voilà, donc, et la référence, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez réclamer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'acheter 50 milliards. Vous avez la possibilité d'acheter 50 milliards à 0,5. Voilà. Oui. Et là, c'est pour obtenir votre lien de référencement et ouvrir et copier. Voilà. Donc, à propos, voilà, on va dire si PayPal est le meilleur projet de passerelle de paiement sur la Binance Chain, voilà, offrant une expérience de transfert actif plus rentable. Vous pouvez également staker BNB et gagner 4% au quotidien des BNB. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, si c'est vrai, voilà, ça c'est bon. Voilà, vous profiterez d'un revenu passif stable, voilà, et d'un TGAE, d'un TAEG, voilà, élevé, voilà. Vous n'avez pas besoin d'échanger votre BNB contre des jetons et commencer simplement à gagner des BNB. Voilà, ça c'est vraiment intéressant, et avec des BNB si facilement. Voilà, vous serez agréablement récompensé pour votre travail d'attirer des personnes avec le programme d'affiliation à 5 niveaux. Voilà, ça c'est bien parce que dans d'autres airdrops, il y a juste un niveau. Ici, il y a jusqu'à 5 niveaux. Obtenez jusqu'à 7% sur chaque dépôt d'utilisateur. Bon, ça c'est pour ceux qui vont faire des dépôts, uniquement ceux qui vont faire des dépôts. Voilà. Voilà, ceux qui vont acheter. Bon, au niveau du livre blanc, parce que le livre blanc est un rapport ou un guide qui informe en tant que lecteur, voilà, de manière concise, de compréhensive sur la complexité des questions et présenter la philosophie de l'organisme émetteur en matière, voilà, il est destiné à vous aider à comprendre un problème et à résoudre un problème ou à prendre une décision. C'est vraiment clair, voilà. On va pas entrer en détail, voilà. Au niveau de la roadmap ici, la feuille de route est un plan stratégique qui définit un objectif et un résultat souhaité et comprend les principales étapes ou jalons nécessaires pour l'atteindre. Voilà, ça c'est la feuille de route. Le projet a été lancé en décembre. Donc, il veut atteindre 500 000 membres. Tout à l'heure, on va aller vérifier cela sur le balancement chain. Voilà, en janvier, il veut atteindre 1 000 membres. Voilà, ça va aller très très vite. Hein. 1 000 membres, c'est rien. Bon, on va aller sur la. Je ne vais pas tout lire, sinon on va prendre beaucoup de temps. Voilà, il y a les partenaires. On voit bien la balancement chain. On voit bien PancakeSwap. On voit bien CoinMarketCap. On voit bien Crypto 4, on voit bien Getty.io, l'échangeur Getty.io, on voit bien CoinGecko. Voilà, je vais aller sur le balancement chain, on va y avoir le nombre de holders actuellement. Voilà, c'est un projet qui a été lancé aujourd'hui. On va aussi voir la quantité de pièces disponibles en circulation. Oui, les pièces disponibles en circulation, ça va vite. Hein. Ils avaient parlé de 5 000, non? Ils avaient parlé de. Attendez. Il le sait élevé, hein. Le nombre de transferts, c'est élevé, hein. Le nombre de transferts, il y a 10 000. On est déjà à 4266 holders. Ouf, ça allait vite. Hein. Et le total des supplies ici, c'est 100 millions. Non, c'est 1 million de milliards. Voilà, 1 million de milliards. Voilà, ça, c'est la quantité disponible. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, ça va. Moi, je vais donc vous montrer comment réclamer. Ça va. Je vais vous montrer comment réclamer. Donc, il suffit de. Je rentre là sur le site officiel. Je copie une fois le lien. Donc, de toute façon, vous allez cliquer sur le lien que je vais vous envoyer, qui sera en description de cette vidéo. Je vais sur Trust Wallet, voilà, ou sur MetaMask, mais je préfère Trust Wallet parce que je suis habitué à l'utiliser. Je me connecte, je verrouille. Voilà. On entre dans la sécurité. Je viens ici dans le DApps. Je colle le lien d'affiliation ici, là. Voilà. Je colle le lien d'affiliation ici et je valide. Et je valide. Voilà, là je suis connecté, je change directement le réseau en Binance Chain, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc voilà toutes les informations qu'on a partagées tantôt là. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est les 40% que l'on gagne. Ces 40%-ci que l'on gagne. Voilà, je vais y faire une capture déjà. Je vais y faire une capture comme ça. Et voilà,
peux partager cela. Ok, ça va, j'ai fini avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant cliquer sur Clim. Clim AirDrop. Voilà, je vais donc réclamer. Je clique là sur Clim AirDrop. Voilà, il me renvoie ici. Je viens ici. Clim, voilà, c'est fait. Il me connecte au portefeuille. Ça fait, il me connecte au portefeuille. Maintenant, il faut passer à la caisse. Il fait passer à la caisse ici. Il fait payer 0,02 BNB. Et là, les frais de gaz sont là. Moi, je vois que je n'ai pas assez de BNB ici. Je n'ai pas assez de BNB. Je n'ai pas assez de Binance Smart Chain. Je veux voir. Je n'ai pas assez de Binance Smart Chain. Je sors là. Je vais devoir la quantité de Binance Smart Chain que j'ai. Comme ça, je vais devoir BSC. Binance Smart Chain. Ah, il est où? Ah, il est où? Binance Smart Chain, il est où? Il est où? On met Binance Smart Chain. Attendez. On va voir. Il va voir la quantité BNB. Voilà. Non, BNB. On va rentrer là. BNB. Voilà. Binance Smart Chain, il est combien? J'ai 142. J'ai 142 BNB. Bon, ce que je vais faire, je vais. Bon, ça va. Je vais augmenter cela rapidement. Je copie là-bas l'adresse ici. Je copie l'adresse ici. Je vais faire un transfert vite fait, même de 1 $ là, pour d'abord refaire, pour d'abord liquider cette drop-ci pour ne pas perdre de temps. Et après, je vais vous montrer comment recharger même. Je vais faire une autre vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment recharger vos balances matchées via Binance. Voilà, je suis dans un autre portefeuille. Voilà, je vais coller mon adresse là. Je mets le montant là. Je vais mettre le montant. Je mets le max. Et je vais prendre la moitié. Je n'ai que 2 $ là-bas. Je vais prendre ici. Je vais mettre ici 1 pour voir ce que ça va donner. Non, je vais mettre ici 2. Voilà, 2. Je prends juste 2 comme ça. Voilà, je prends juste 2. Je prends juste 1 $. Parce que j'ai juste besoin. J'ai même pas besoin d'1 $. J'ai besoin de. Attends, j'ai besoin. Je vais mettre comme ça pour voir. Non, je prends juste ce que j'ai besoin là-bas. Non. Pour ne pas couper les risques, je prends ça. Ça va me faire faire 1 $ en plus. Oui, non, je prends comme ça là. Non. Comme ça, voilà, je prends ce montant. Si je continue, vous voyez que les frais sont minimes. Hein. Voilà, les frais, c'est pas grand-chose. Quand je continue, je signe. Je signe. Oh, que c'est fait. Ça va, le paiement est passé. Est passé. Donc, on va donc rentrer alors sur Binance Smart Chain. On va donc rentrer alors pour voir si c'est là. Je pense que le niveau de batterie est déjà faible. Voilà, BNB. On va voir s'il est déjà là. Il est là. Il arrive. Voilà, il vient d'arriver. Vous voyez qu'il vient d'arriver. C'est ça ici. 0,17, 0,0,17. Il vient d'arriver. C'est très rapide. Le transfert est passé. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre là parce que je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas perdre de temps. Voilà, je rentre là. Je viens ici. Je viens là. Clim AirDrop. Voilà. Je passe à la caisse. Je vais un peu négocier ces frais-là. Je vais un peu négocier ces frais-là. Voilà. 29. Ok, c'est bon. Ok, ça va. Donc là, ça me fait 1,88 $ ici. Voilà, ici, j'ai les frais liés à l'airdrop. Voilà. Et à chaque fois qu'une personne doit réclamer, je vais avoir 40% de BNB en fonction du montant. En fonction du montant, je vais avoir à chaque fois 40% de ce montant. Vous voyez que c'est beaucoup. S'il y a 100 personnes qui font ça, ça va très très vite. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que il faut se positionner. Voilà, donc ça vous fait juste, ça vous fait moins de 2 $. Si vous payez, dépensez moins de 2 $ et que le projet aboutit vraiment, voilà, parce que bon, c'est un projet, bon, c'est un projet, bon, mais bon, de toute façon, nous sommes, moi je suis un preneur de risque, voilà, j'approuve et je signe. Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait déjà, ok, c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, je viens maintenant ici, je vais chercher le contrat. Je vais chercher le smart contrat de ce projet. Je viens ici sur BSCan, ici sur BSCan. Ici, c'est le contrat de ce projet. Tout à l'heure, quand je vais payer, vous allez voir que le nombre va augmenter là. Voilà. Parce qu'il faut payer. Voilà, je viens là. Voilà, j'ai payé déjà. Je viens ici là. Je sors là. Je sors là. Ici là, je viens. Je colle. Voilà, coller. Je change le réseau en Binance Smart Chain. Voilà, parce que c'est un BEP20 collé. Voilà, vous voyez. Il y a bien PayPal. Voilà le symbole. Voilà, c'est fait. Terminé. Voilà, voilà mes 600 PayPal qui viennent d'être crédités. Qu'est-ce que je fais? Je fais une capture rapidement. Voilà, c'est fait. Je viens maintenant ici. Une fois que la capture est faite, je viens maintenant là. Je copie le contrat. Je rentre encore sur Binance Smart Chain. Je reviens encore sur mon PayPal ici. Voilà, je reviens ici. Je veux coller mon lien d'affiliation. On va dire get referral link. Donc, voilà, pour générer le lien, je clique sur get gener et je clique sur copier. Voilà, j'ai la copier. Voilà, et à chaque fois, j'ai comme ça 60%. Voilà, maintenant, la vidéo est terminée. Donc, les gars, je vais donc
lancer cela sur les différents réseaux sociaux. Voilà, comme ça vous allez l'utiliser pour pouvoir vous positionner.